ma ngi lay nuyu di nuyu mbolam yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew. Dañu nekk réunion bi comme ni nga ko waxee nii la 7 maires yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk parmi les 10 du département bi pour toog waxtaan mën a jël une position par rapport à la non candidature du président de la République. Li nga xam ne choix su ko defee bon ban position lañ ci mën a jël. Li nga xam ne loolu lañ tënk mooy la première chose mooy ñu sant président de la République, ñu gërëm ko par rapport liggéey bi nga xam ne foofu fu mu jëli Sénégal ak tey fu mu ko indi surtout suñu département bi ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon ni nga xam ne noonu la ko defee. Mais vraiment on a reconnu un développement véritable dans notre département te mun naa wax ni à travers tout le pays. Yemul ci loolu aussi avec la sagesse bi nga xam ne moom la jël ci nos candidatures parce que un patriote dëgg il faut que mu am ay comportement yi nga xam ne daf koy def. Dañoo seet ne vraiment patriote la, il est sage, nit ku baax la. Lu tax moom constitution mayoon na ko pour au moins mu nekk candidat à la en 2024. Mais compte tenu contexte politique Sénégal lu mu demee nii te bëggul benn ñaawte ci biir réew mi, bëggul kenn ki nga xam ne mu am li nga xam ne neexul wala naka su dul noonu, kon dana œuvre ci sens boobu mooy mu bàyyi pour sa candidature mu seet beneen candidat ak ku mën a jël aussi. Ñun on est vraiment derrière lui su waxee ci suuf la, su waxee ci kaw ñun ci kaw lañ ko fekki parce que moom moo ko fi ji à travers tout le pays ci secteur yi yëpp. Amul benn secteur bi nga xam ne manqué na ci liggéey bu am solo ak bërëb bi yëpp nag à travers tout le pays surtout dans ce département de Kumpentu. Ñu am nañ ay jeune cadre yi nga xam ne ñu ngi fi am nañ compétence yu bëri. Ñoom lañ wóolu parmi ces 7 maires ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo ànd ak ñun bu ñu ne il faut que ñu ñëw fekk teew waxtaan bi. Bon jeune yooyu la ñu confier à la personne de El Hadj Ba mooy d' ailleurs il est membre conseil à la présidence ak monsieur Mamadi Thiam moom nga xam ne moom mooy nekk le directeur de l' école Thierno Saho mooy école bi nga xam ne moom moo gën a mag ci Kumpentu. Ñoom la ñu chargé pour ñu defal ñu résolution bi en tout cas au plus tard le dimanche fu ñu ñëwee de ce fait ñun ñëpp ñi nga xam ne ñun ñoo nekk fii parmi surtout les maires ñi nga xam ne ñoom ñooy le représentant des populations bon ñun signé ko de ce fait ba pare dañuy tànn ñi nga xam ne ñoom ñoo koy yóbbu foofu ñu acheminé ko dans toutes les instances du parti politique. En tout cas ñoom encore ñu xam ñun suñu position lan la. En tout cas on est derrière le président de la République pour ñu mën a jogoñ loolu ñun amuñu sax xalaat amuñu luñ ci seet. Village Ba le maire de la commune de Mérito, le doyen Sirima Sall le maire de la commune de Malem Niani, conseil économique, social et environnemental, monsieur le maire de Ndam monsieur Aboubakri Diallo, le maire de Koutiagaïdi monsieur Lamoka, le maire de Payar monsieur Talasso au conseil des collectivités territoriales et le maire de Kumpentum où nous sommes, le au conseil également des collectivités territoriales, le maire de Kahen monsieur Mamadi Thiam, le au conseil économique, social et environnemental monsieur Abdoulaye Ba de Koutiaba, madame Aissatou Diaby responsable femme ici dans le département de Kumpentum, le au conseil des collectivités territoriales monsieur Abouba de Bamba Tchallène et d'autres responsables qui sont venus nous accompagner venus de toutes les localités comme vous pouvez le voir. Merci beaucoup. Comme vous venez de le voir, nous sommes sortis d'une réunion de concertation de 7 maires du département de Kumpentum et de tous les hauts conseils des collectivités territoriales et des conseils économiques, sociaux et environnementaux et de tous les responsables, femmes et jeunes, en tout cas qui ont répondu à l'appel pour une concertation en vue de diagnostiquer la décision sage du président de la République de ne pas présenter sa candidature pour les élections de 2024. À l'issue de la rencontre, nous sommes unanimement tombés d'accord d'être unis derrière la candidature que le président de la République aura à proposer comme la AUA
le faire toutes les structures du parti ou de Benno Bakayokar en lui donnant carte blanche de choisir un candidat. Donc le candidat de Macky Sall sera notre candidat ici dans le département de Koumpentoum. Et à l'issue de ces rencontres aussi, elle sera sanctionnée par une résolution qu'on va vous faire parvenir afin de confirmer cette décision unanime de se réunir autour de l'essentiel et rester à l'écoute et rester derrière la décision du président de la République et de supporter de son candidat qu'il aura à choisir en 2024. Donc dans l'ensemble, c'est les axes qu'on a eu à proposer, c'est les points sur lesquels nous sommes tombés d'accord et tout le monde dans le département de Koumpentoum aujourd'hui reste unanime derrière le candidat qu'aura proposé le président Macky Sall.